C'est sur tous les tons, comiques, tragiques, historiques, que va se dérouler durant une semaine la deuxième édition du Festival des cinémas du Maghreb. Sans la Libye cette année, il s'agit avant tout de découvrir ce qui se joue en ce moment en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Concernant les thématiques, elles sont relativement semblables sur les trois pays, à savoir la condition féminine, la stabilité ou l'histoire politique actuelle et tous les problèmes de société, je dirais, que rencontrent aujourd'hui ces trois pays. Premier film proposé, La rumeur de l'eau de Taïeb Louichi, réalisé en 2016. Au lendemain du printemps arabe, espoir et désillusion d'un metteur en scène d'opéra dans une Tunisie post-révolutionnaire. Avec une programmation particulièrement riche, c'est avec une certaine fierté que l'équipe du festival ouvre cette deuxième édition. Très 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 fière, très contente en tant que maghrébine surtout. C'est un festival pour tous les maghrébins qui vivent en Corse, pour tous les Corses, pour tous les amis. Vous trouvez qu'aujourd'hui c'est intéressant, notamment nous en Corse, d'ouvrir comme ça sur les problématiques de nos pays voisins? Absolument, surtout à l'heure actuelle, où quand même ce sont tout des pays en mouvement. Et c'est bien de voir ce qui se passe au travers de la jeunesse, au travers de la société, comment on ressent justement tous ces événements. Et il faut essayer de les voir de façon aussi positive. Suivi par la télévision tunisienne, événement ce soir avec la projection de Latifa, le cœur au combat, en présence de Latifa Ibn Ziaten, mère d'Imad, militaire français assassiné par Mohamed Merah en 2012 et qui depuis va à la rencontre des jeunes dans toute la France et au-delà.